Je suis sérivore et je suis addict aux bonnes séries. Et il y a quelques jours, je me suis regardé une série brésilienne diffusée sur Netflix nommée 3%. Celle-ci nous invite à plonger dans une société futuriste sud-américaine où la population majoritairement est pauvre, mais où chaque année, les jeunes de 20 ans ont la possibilité de passer un test qui leur permettront d'accéder à l'élite. Mais seuls 3% d'entre eux réussiront l'épreuve. Cet univers n'est pas sans rappeler celui de Section Réseau et plus particulièrement celui de Trépalium, dont j'avais fait une présentation critique il y a quelques mois. 3% est diffusé sur Netflix et est composé de 8 épisodes. À l'origine, c'est une mini-série de 3 épisodes créée par Pedro Aquilera et qui est visualisable sur YouTube en portugais. Vous suivrez les épreuves des différents personnages qui doivent affronter un processus et réussir des épreuves physiques, psychologiques et intellectuelles qui leur permettront, s'ils arrivent au bout, de rejoindre une ville isolée où vivent les plus riches. Autant dire que l'expérience brésilienne d'une géolocalisation des productions dans les pays de diffusion est une réussite pour le Brésil, contrairement à la France, où je dois dire que Marseille m'avait laissé singulièrement sur ma faim. 3% est donc un thriller d'anticipation dystopique qui ravira le plus grand nombre, en tout cas tous ceux qui sont intéressés par la science-fiction et l'anticipation. Pour conclure cette présentation critique du Sérivore, je ne peux que vous conseiller de suivre les aventures de cette société divisée en deux avec le continent où les plus démunis s'entassent et meurent de faim et l'autre rive qui est un endroit idyllique où il fait bon vivre. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime ou la partager sur les réseaux sociaux. Si vous voulez me suivre, vous pouvez le faire en vous abonnant à la chaîne ou en consultant mon compte Facebook et Twitter. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation critique.